Bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler du service de transport en commun. Donc, c'était une première pour nous dimanche dernier. On a inauguré notre service de transport le dimanche, la 133. Il y a eu 119 déplacements. Je pense que ça a été bien reçu. En fait, je pense pas avoir discuté avec les gens dans l'autobus. Les usagers sont très heureux d'avoir ce service-là. Il y a des gens qui travaillent aussi le dimanche. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Donc, le service de transport en commun était le bienvenu pour eux. Je vous rappelle la gratuité du transport les dimanches pour le mois de septembre. Je vous invite à venir prendre l'autobus. Faites le test. Venez voir qu'est-ce que ça a l'air. J'ai fait une activité de sensibilisation de prendre le transport en commun auprès des jeunes cet été. Ça a fonctionné. Les jeunes, c'est un outil d'autonomie qui est très révélateur. Les jeunes se sentaient libres. Puis dès le lendemain, j'en ai eu qui ont utilisé le service de transport en commun. Des fois, là, c'est pas juste de faire de la publicité, mais c'est d'y aller, d'y essayer. Auprès des jeunes qui n'ont pas de véhicule, je pense que c'est un moyen de transport qui est efficace, qui va l'être encore plus efficace parce qu'on travaille fort pour le rendre meilleur. Et puis pour les parents, mais ça l'évite papa, maman, taxi. Mais des fois, quand ils ont 13-14 ans, ils sont capables de prendre le transport en commun. Il est sécuritaire, nos autobus sont super. Donc voilà, je vous invite à venir le dimanche pour voir qu'est-ce que ça a l'air, le transport en commun urbain. Dans un deuxième temps, j'aimerais d'un, Monsieur Fecteau, je vous remercie d'avoir retiré le point pour les bars. Je vous félicite. Merci beaucoup. À la lumière de ce que les citoyens nous ont dit lors de la consultation publique jeudi dernier, et puis pour avoir habité la rue Champlain moi-même, je sais qu'émettre un nouveau permis de bar, ça peut susciter beaucoup de questionnements. Pas pour le projet. Le projet est génial. Je travaille fort pour essayer de redynamiser mon centre-ville. Je trouve ça dommage que ça ne fonctionne pas, ce projet-là. Mais ce que je trouve le plus dommage, c'est les règlements. La société évolue, mais les règlements aussi doivent évoluer. Je trouve ça plate qu'on ne peut pas émettre un permis de boisson par rapport au projet, mais plutôt qu'on donne après ça la permission à ce propriétaire-là d'avoir un droit acquis pour avoir n'importe quelle autre activité avec de la boisson par après. Donc, ceci dit, si le projet de la salsa ne fonctionnait pas, le propriétaire du bâtiment était dans toute la légalité d'avoir un autre bar là. Ça pourrait être n'importe quelle discothèque. Puis nous autres, à la ville, on n'aurait pas le contrôle sur l'activité à l'intérieur de ce bâtiment-là. Je déplore ce règlement-là. Je le déplore, puis j'aimerais ça qu'on soit capable de faire quelque chose pour changer ces règlements-là. On a besoin de redynamiser notre centre-ville. On est en train d'investir des sommes énormes. Puis en même temps, je ne veux pas avoir n'importe quoi non plus. J'ai habité le centre-ville, j'ai habité la rue Laurier, j'ai habité la rue Champlain. Puis c'est fatigant à 4 heures du matin quand il y a des bagarres. C'est vraiment fatigant. Madame Dallaire, elle a amené le point tantôt d'avoir davantage de sécurité, des policiers qui se promènent dans la rue. Oui, j'abonde dans le même sens qu'elle. C'est une bonne idée. On en a à vélo. Est-ce qu'on pourrait en avoir davantage pendant la saison estivale? Pourquoi pas? Ça aussi, c'est une bonne idée. Dans un troisième temps, l'errance des chats, je sais que le comité de sécurité publique travaille à trouver une solution pour l'errance des chats. Au centre-ville, c'est un phénomène nuisant. L'été, à la fonte des neiges au printemps, on sent l'urine de chat partout. Il y a des chats qui rôdent partout, surtout dans le secteur Vieux-Iberville et dans le secteur Vieux-Saint-Jean. Donc, s'il vous plaît, trouvez une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éliminer là, cette problématique-là? Sur ce, je crois avoir fait le tour des sujets. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée.